Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour notre première partie 2022 en compagnie de Stéphane. Stéphane, bonne et heureuse année. Merci à toi aussi, cher ami. Bonne année aussi à tout le monde. Bonne année tout le monde. On a pensé vous offrir pour ce début d'année une partie de hockey, notre sport national. Et là, c'est la première confrontation et je pense que ça va jouer dur. Ça va être tough. Ça va être tough. Je suis pas ici pour perdre. Non, 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 sûrement pas. Alors, Trickshot en mode jeu de plateau, sans plus tarder. C'est parti! Alors, bienvenue, chers auditeurs. On se trouve en direct de l'aréna de Montréal, le Centre Bell, pour une partie entre Toronto et Montréal. Donc, je vous présente le directeur général des Canadiens de Montréal, Stéphane Bastien. Oui, bonjour, bonjour Martin. Bonjour. Il se prend au sérieux. Toronto, un grand rival depuis toujours, même s'ils n'ont pas une fiche très glorieuse contre les Glorieux. Je vais changer ça aujourd'hui. Alors, vous allez voir, on va sortir les gros bras. On est venu en ville, pas pour le plaisir, mais pour gagner. On va jouer notre 100%, on va jouer du dans les coins. Et l'équipe est due pour une victoire. Alors, très due pour une victoire même, je dirais. Donne ton 100% et roule tes dés. On va déterminer qui va ramasser la mise en jeu. Et voilà, la première mise en jeu est remportée par Montréal qui prend possession de la rondelle et prépare son attaque en zone ennemie. Je vais aller avec une passe. Dévoile-moi ta ligne, que je vois qui est-ce qui est sur la glace. Donc on voit que notre ligne défensive, donc à chaque X, je bouge une défense. Ok, on va atteindre. Donc moi je suis déterminé dans cette début de partie, donc j'encourage mes athlètes à performer. Et je peux activer deux fois en ligne le même personnage, mais sans faire de relance. Ah ouais? Ouais. OK. Donc, j'y vais. Et tu fais quoi? Je vais faire une passe à mon ailier droit. Un dé. On commence par un dé. Donne-toi une chance. Moi, j'étais en feu. Bon. Tu peux faire une relance. Mais ta passe va réussir pareil si tu veux arrêter ça. OK, je vais une relance. OK, ça commence très mal. Donc oui, donc à chaque fois que je prends un X, ça c'est pour me permettre de rebrasser mon dé. Exact. Et parfait. Je réussis. Par contre, une réaction? J'ai une réaction, effectivement. Donc, je vais jouer agressif. Chloum. OK. OK. Donc ici, t'es en échec. Pas en échec, mais en check, on dit. Donc, t'es surveillé. Tu peux pas bouger à partir de ton allié. Ouais, finalement, j'aurais dû le déplacer avant de passer. Oui, effectivement. OK, pas fort. Ben, tu peux t'enfuir avec ton centre. Ben, fais donc ta jam. Moi, je suis pas là pour l'aider. Je suis là pour gagner. OK, je suis assez menotté. Ben, t'as une belle sortie, là. Ben, rentre dans le tas. Frappe. Tu peux frapper un joueur qui a pas la puck, hein, si tu veux. OK, je vais reculer mon défenseur de 2. Allez. Donc la 3D. La 2D. Non, non, c'est la deuxième D. Oui, oui, oui. Parfait. OK. Fait que je recule de 2. C'est fort. OK. Je vais avancer mon ailier d'une case ici. OK. À ce moment-là, c'est quoi? Je viens d'échouer encore? Non, ton mouvement, c'est toujours réussi, mais ça m'est fait à ton tour. À moins que je m'épuise. À moins que tu fasses une relance. Aïe, aïe, aïe. Juste un dé? Oublie pas, par contre, qu'après, you roll a X, you move one defenseman. Oh, ben oui. Ouais, on va faire ça tantôt. Ah, je suis vraiment mauvais ma première période. Ils sont un peu rouillés, ils arrivent d'un long voyage à l'extérieur. Donc si je réépuise mon équipe, je fais une relance d'un dé ou deux dés? De tous les dés qui ont un symbole. OK. Donc j'y vais. Je recommence. Ah,
OK, donc mon mouvement a réussi, mais là, mon équipe est déjà la langue à terre. On vient même pas de faire une minute de jeu. Donc, je tasse ici mon ailier. Je vais pouvoir bouger ma défense de 1. Mm-hmm. Move 1, defenseman. Puis, j'y vais avec ma limite. Je peux bouger de 2. Move 1, defenseman. Bonne question. OK. Écoute, je vais le bouger de 2. Je le bouge. Je bouge mon defenseman. Joueur défensif, alors on avance le marqueur ici à 18 minutes. On a 3 périodes de 20 minutes. On a 2 minutes d'écoulées. Et c'est maintenant le tour de la ligne déterminée de Toronto de rentrer en action. Donc on voit qu'on a fait front commun devant toi. C'est un peu décousu, là. Un peu décousu. Je vais commencer avec un hit. Donc mon défenseur va frapper ton petit ailier. En diagonale? En diagonale. Alors, je fais donc juste un lancer. Pouf! Tu te tasses de 1, je prends puck. OK. On peut bouger en diagonale. Oui. On peut bouger en diagonale. Ensuite, je peux l'activer 2 fois de suite, hein, n'est-ce pas? Et le défenseur a le droit d'avancer de 2. 1, 2. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais avancer de 2. Avec la rondelle. Schlunk. C'est manqué. Je vais prendre une fatigue. Alors, c'est réussi. Ensuite, je vais avancer mon ailier ici de 3. Je prends 3D. Facile, donc c'est réussi. En 4, je vais tenter une passe. Est-ce que je tente une passe? Ouais, c'est le défenseur, donc je vais envoyer ma passe ici, à 4. Ah, j'aurais dû le tasser. Ben oui. OK, je vais avancer avec mon défenseur. Je suis rendu à 4D. 5, là. Hein? 5? J'ai perdu le compte. Oui, oui. Tandis que t'as brassé, oui, t'es rendu à 5. OK. Ça, c'est manqué. Donc, j'ai dit que j'avançais mon défenseur de 2. 1, 2. Alors, ça va compléter mon tour. OK. Fait que là, ça y est, là, t'as fini ton tour, c'est à moi. Oui. OK. Mon défenseur est rentré dans la zone adverse, numéro 13, gros gaillard, prêt à faire un tir du poignet ou un tir frappé, pourquoi pas. OK, je fais un hit. Ben oui. OK. Et puis, je vais sur la puck, right? Ouais. All right. Bon. Hey. Attends, je vais oublier de bouger. OK. Mon ailier. Ouais. Va avancer de... On va avancer de 1. Hey, sacrifice! Je suis pas chanceux. Manque d'entraînement. On voit que les Canadiens de Montréal ont besoin de... Je fais une passe. Dans la partie. Oui. C'est ton 3D, là. Non, non, non. Oui, un hit. Un mouvement. Ouais. Je recommence au complet? Non, non. Fais juste ton dernier. Ah, oh, t'aurais pu recommencer au complet. OK, fait que j'ai réussi ma passe. La passe est faite. Par contre, elle est pas maîtrisée. OK. Elle continue ici. OK, c'est bon. Mon tour est terminé. J'ai eu un X. Fait que mon défenseur va bouger. Ah oui, c'est vrai. Va bouger de 2. Ben, va bouger. Attends, attends. La puck est sortie de la zone. Oui. Quand elle sort de la zone, toi, systématiquement, tu avances là, puis moi, j'avance ici. Ah, OK. C'est une règle qui permet d'accélérer la partie. Ouais, moi ici. OK, c'est à mon tour. Donc, défenseur bouge de 2. 1, 2, je me rends pas. Ça, c'est un peu triste. Ton gros gaillard est un peu lent. OK, mais je vais quand même le bouger. 2. Oui, il fait souffler.
Ouais, mais il peut bouger, il est déterminé. Deuxième fois. 2D. 2D. Mais tu rebrasses pas. J'ai pas de reroll. Ok, je viens de la comprendre. Enfin la carte. J'ai quand même pris possession de la police. C'est bon, c'est fini. Ouais. À moi. Tu bouges l'arbitre. Oui. 12 minutes. Ok, là, il faut que je le fasse décrocher, mais mon petit bonhomme, il peut pas te bouger. Lequel? Je peux faire un poke. Ah, il peut bouger. Pourquoi il pourrait pas bouger? Et je vais enlever ta rondelle. Ben oui, fais un poke. Ok, je fais un poke. Je fais un poke. J'ai réussi? Oui. Parfait. Mon centre va avancer de ici. Avancer de 2. De 2. Avancer de 2, c'est bon. Non, mais de 2, c'est là que tu vas. Oui, oui, oui. Ouais. Un 2. Attends, moi je peux bouger. J'ai une flèche. Oui. Ok. Fait que là, je peux pas passer, c'est ça? Lui, il check. Mais il peut passer. Et oui, il peut passer la POC. Ah, ok. C'est bon. Mais l'autre aussi va être check. Même sur le côté? Ben, il va être check comme ça. Fait qu'il va falloir que tu bouges par les passes. Ok. Je vais passer au centre. Oh, il n'y a plus de fatigue en plus. Pas c'est pas maîtrisé. Mais quand même bien placé pour tirer les monnettes. Ok. C'est à moi. L'arbitre. 10 minutes. Ok. Boy, qu'est-ce que je fais? Et même parce que je suis pas capable de la chercher. Ok. Je vais reculer mon défenseur de 2. Toi, tu peux bouger ton défenseur? Oui, c'est juste quand t'as la POC que t'es checké. Ok. Tu peux bouger. Tu peux bouger là. Qui? Celui que tu veux. Oui. Non, je fais pas hit. Je vais faire un poke. Je suis rendu à 2D, c'est ça? Mm-hmm. Oh! Finition! Attends une minute. Sur les pokes où j'allais. Je vais le tourner. Ok. Ouf. Je vais avancer mon centre. Là. De 1. 3D. Je vais tenter une passe ici. Attends, je l'ai avancé droite. C'est pas droite, c'est comme ça. C'est bon. C'est une passe. Ouf. Snapshot. Faut que j'embrasse 2D plus. Parce que c'est un snapshot. Ok. Fait que j'ai ça plus 2D. Ok, je vais commencer par brasser mes 2D. Ok, puis là je rebrasse tout ce que des. Tout ce qu'il y a ça ici. Tu rebrasses? C'est ça? Oui. J'ai dit que j'ai brassé. Ah. Ok. Là, j'ai dit que je faisais un snapshot, donc j'ai X, fait que je frappe. Ping! Ping. Et là, je reviens de 3. 1, 2, 3. Ok. À toi. Ils sont pas faciles. Non. Ok, je bouge mon défenseur, je recule.
peux bouger. Vas-y. Quand on bouge avec les fesses, c'est juste octogonal, j'ai pas le droit de faire une diagonale. Ok. Pour ton info. Lui, je recule. Attends. Hey, j'ai oublié de marquer, bouger le marqueur. Ok. Lui, il va avancer ici. Mon centre va bouger. Ton défenseur bouge. Ah, c'est vrai, ton X. Ok. Je suis défensif. Ok, 6 minutes. 1, 2, 3. Je vais bouger mon ailier. Moi, j'ai une réaction. Ok. 2. C'est beau que ton ailier passe tout droit de même. Écoute, tu l'as esquivé. Il est fort, il est fort. Je vais avancer mon centre. Oh. T'es épuisé. Au complet? Oui. Ok. Le centre, c'est de combien? Deux. Moi, j'ai une réaction. Ouais. Pas si diagonale. Je me mets là. Pas de diagonale, tu peux pas. Non. Et je descends le marqueur. 1, 2, 3. Oh, good try. C'est à toi. Ok. Il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. 4 minutes à la période. Ça se joue chaudement, mais on s'étudie en ce début de période. Ok, je fais une passe. Passe au défenseur. On a le droit ici à une réaction. Alors, réaction qui viendra de notre... J'avance. 1, 2. J'ai une réaction. Mon centre va se déplacer. J'ai une réaction. Peu importe le nombre de flèches, c'est toujours un de réaction. Ok. Là, tu vas le bloquer s'il y a la poc? Oui. Ok, ça c'est vraiment chiant. J'avance mon défenseur. Oh! X. Et à un X. T'as plus de reroll. Non, mais je peux bouger. Tu peux bouger un défenseur. Tu peux bouger un défenseur. Ouais, c'est lui qui a poc. ouais. Ok. Dernière 2 minutes de jeu. Je vais bouger mon centre. Faire un poke. J'ai réussi. Tu peux bouger ton défenseur. J'ai une réaction. Oui, une réaction de qui tu veux. Là, pendant, tu peux pas bouger avec ta poke. Non. Puis lui, il pourra pas bouger. Il n'y a pas la poc, ça ne dérange pas. Non, mais il va avoir la poc, là, bientôt. Qui dit? Qu'est-ce que tu fais? Je parle aussi. Ah, je viens de faire un poke. En théorie, eux reviennent automatiquement. Là. Parce que là, il sera hors jeu. OK. Fait que lui, il s'en va là. Puis lui, il s'en va là. OK. Parce que j'étais là, je voulais faire la passe, mais ça marchait pas, mais il serait en jeu. Ok. Il est bien fatigué, lui. Ok. Je me suis dit ça tantôt aussi avec tes autres joueurs qui étaient bien fatigués. Okay, je fais une passe. Complètement manqué. Donc ça fait. Ch'toc. Ok. On s'est étudié. Wow. Après une période complète de jeu, Montréal 0,
Toronto, 0. Alors, on va faire l'entraque, on va parler stratégie, on va changer nos lignes et on revient avec la deuxième période. Mesdames et messieurs, de retour à la deuxième période de cette partie chaudement disputée. Toujours un pointage de 0-0, Stéphane. On a changé nos équipes de côté. Exactement. On est prêt pour la deuxième période. Oui, on se rappelle que lors de la première période, on a usé beaucoup le centre de la patinoire. Très peu d'attaques. On a eu un tir au poteau de mon côté. Très décousu du côté du Canadien de Montréal. Et je pense que l'entraîneur a fait des modifications en cours de l'entraque et arrive avec une nouvelle stratégie. Effectivement, on a eu un meeting très très serré avec l'équipe. On pouvait entendre les commentaires à travers la porte. C'était pas beau à entendre. C'était pas beau à entendre. Ça s'est rendu même dans de notre côté à Toronto. Tellement ça criait fort. Alors, on a usé de stratégie. On s'est dit qu'on va jouer un peu de finesse. On va étourdir le Canadien. On va pouvoir maintenant utiliser le brisque, qui est une stratégie vraiment de patin artistique. On va pouvoir changer de direction durant nos déplacements. Hey, moi aussi, je la veux. OK. Alors, de notre côté, notre changement de ligne n'arrêtera pas mon tour. Donc, je vais pouvoir faire un changement de ligne et continuer à jouer. OK. C'est flexible. Donc, c'est une stratégie flexible de l'entraîneur Stéphane Bastien. Exactement. Fait qu'il va falloir être rapide sur les décisions et vous allez voir qu'on va l'utiliser. Alors, sans plus tarder, l'arbitre se pointe au milieu de la glace et lance la rondelle pour une mise en jeu. Une valeur. Ah, c'est bon. Alors, encore une fois, remporté haut la main par Montréal, qui a 100% de succès ce soir. Donc, l'arbitre se retire. Oui. Et la partie est partie. Donc, la passe à mon ailier gauche, qui finalement, pas la passe. Mon ailier gauche bouge. OK. Parfait. On aura compris lors de la première période comment ça roule. Donc, mon centre passe à mon ailier. Une passe réussie. Hey, attends une minute. T'as changé de côté, mais pas de maillot. Oh! On répète ça. Mon ailier gauche bouge. Okay. Je fais une passe réussie. OK. Et c'est là qu'on est rendu. Je suis rendu à 3D. Et attends, j'ai un mouvement parce que t'as eu une flèche, donc je peux déplacer un. Donc, je vais déplacer mon défenseur ici. Parfait. Donc, mon ailier va droit devant. Facilement. Et c'est 1, 2, 3. Oui. Ensuite de ça, on va déplacer le centre qui va venir appuyer l'attaque. Oh, on voit qu'ils sont frais et dispo. Et c'est 1, 2, 3. Ils bougent de 2 réactions. Ils bougent de 3. Ils bougent de 3. Okay. Une équipe rapide. J'ai une autre réaction. Oui. La réaction, c'est peut-être de pleurer. On va reculer. On va reculer notre autre défenseur. Et un slap shot. Vas-y. Tu peux? Ben, c'est ces trois carrés là, les buts, non? Oui, oui. Ben, ici, là. 40 dans la ligne de but. Elle va rentrer. Ouais. Top corner. OK, top corner. C'est un top corner. Tantôt, t'as frappé, t'as payé le poteau en ligne droite. En ligne droite. Ouais, c'est un top corner. OK. T'as pris 2 dés de plus? Oh, je suis rendu à 5. Ah, 2 dés de plus. 2 dés de plus, okay. Parce que c'est un snapshot. Ouais, t'es sérieux? Ouais. Allez, fait que lui, il va me rester un dé de plus à brasser. Ouais. Faut que j'aie aucun X. Faut que j'aie aucun X. Oh! C'est bon, j'ai beaucoup de blanc. Attends, moi, je vais vous déplacer avant. Ah! C'est bon, parce que je m'épuise, puis j'ai juste à brasser. Non, mais là, de toute façon, c'est que t'as frappé. Ben, attends, je fais un reroll. Ah, tu fais un reroll, OK, ben, OK. Non, non. OK. Certain. Puis je fais juste reroller mes... Oui, exact. Fait que celui que j'ai tourné, c'était pas un blanc, par contre. OK. Il faut que je reroll 3D. J'ai épuisé ici. Tu peux se faire un autre reroll? Oui. Donc là, c'est juste 2D. OK, convaincu. Top corner! Hey, au premier assaut.
L'entraîneur a crié fort durant l'entraque, mais je pense que ça a porté fruit. 1-0, Montréal prend les devants avec un tir frappé de la ligne bleue de l'ailier gauche. Impressionnant. J'avoue, mec. Écoute, c'était beau à voir. Alors, on fait une autre mise en jeu. Incroyable. Fait que là, t'y remets. Ah! Oh, c'est ça, son... Oui. Frais et dispo. Wow! Ils sont gonflés à bloc, faut dire. Oui. Parce que c'est un but, on n'avance pas le temps. Ouais, ça va dépendre du jet. OK. Fait que faites la mise en jeu. Oh! On a pris des leçons du côté de Toronto. Alors, Toronto prend la rondelle et... Mais c'est pas celui qui a le plus de rondelles? Non, celui qui a le plus de symboles. Ah! OK, donc j'ai avancé parce que là, on a changé de prise de possession. Parfait. OK, dans mon côté, donc, je peux changer de direction. C'est ce que je peux faire. Et là, Toronto, comment on va faire? Fait que je peux faire la même chose. Je vais faire 1, 2, 3. OK. Sauf que ça m'aide pas. Ça ne vient pas tout à fait au même parce que tu peux pas faire de passe. Non, c'est ça. Mes passes ne se rendent pas sinon. Le jeu est décousu, mesdames et messieurs. C'est à mon tour de décousu. Donc, il se tasse de deux. Fait que on va la stratégie de base. C'était juste un mouvement. Lui, il a bougé. Oui, c'est ça. C'est juste un mouvement, c'est pas une passe. OK, là, c'est la passe. Okay. Ça, je disais. Passe manquée. Three roll. Oh. Passe manquée. Three roll. OK. Oh, bravo! Bravo! OK. Deux feintes au centre. J'aurais pas pu te frapper pendant ce temps-là, moi. Il doit y avoir une règle. OK. Je vais... arrêtez cela, je vais faire un refresh et je vais changer de tactique de ligne. Je mets fin à mon tour. Parfait, c'est à moi. Bon, moi, on va te rentrer dedans. Mais t'es loin. Tu peux même pas. Un petit peu. On avance. OK. Mon ailier va avancer. Mon ailier gauche. Oui. Mon centre. Tu fais quoi? Va avancer. Pas de problème. Pas de problème. 1 et 2. Ouais. Je fais un poke. Pour récupérer la rondelle. Ouais. Oui. On voit qu'il y a eu un gros entraînement durant l'entraque. Mon ailier va avancer. Ça va bien. C'est beau. Ça vole. Une passe au centre. Mon ailier va passer à mon joueur de centre. Oh, un peu de réaction ici. Ouais. Une réaction. Un peu de réaction, comme tu dis. Ouais. Ça me tente même pas de me placer là. OK. Là, en diagonale, c'est pas un... Non, tu me bloques pas, hein. Fait que mon centre va avancer avec la rondelle. Oh, oui. Et ça fait 1, et ça fait 2, et ça fait 3. Je fais un changement de ligne. Je peux faire ça. Oui. Fait que je change ma carte. Oui. Mais ça ne met pas fin à mon tour. OK. Tu peux pas reprendre la même carte que le début. Faut que tu passes tes 4 cartes. Ah, faut toujours que je passe tes 4? Ouais. OK. J'ai plus 1 speed quand j'ai pas la rondelle. OK. Puis j'ai plus 1 size aussi. Oh, size? Oui. OK. Quand j'ai pas la rondelle. Les ailiers prennent de la grosseur. Donc, je vais bouger mon ailier. OK. Ouais. Là, il va manquer un dé. OK, j'ai une réaction. OK, je vais faire un reroll au complet. Il me reste un dé, mais c'est... Ah, oh, c'est un blanc. Ouais. Fait que là, t'as pas besoin de brasser tout. Okay. Fait que là, t'as pas besoin de brasser un dé. Ça a pas d'allure. J'ai même pas de réaction. Ça a pas d'allure. OK, fait que t'as plus un speed. Oui. T'as 4. C'est 1, 2, 3, 4. OK.
Ok, là, je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis rendu à 8D. 8D. Je tire. Top ouais. Corner. Okay. 8D. Fait que 8 plus 2. D. Ah non, t'es pas en slap shot. Je pense slap shot. Ok, c'est 8D. Puis, je vais rebrasser. Attends, là. T'es brasse tout. Ouais, c'est... ouais, mais attends, il me reste deux autres dés à brasser. Si okay. j'ai deux blancs. Deux potes. Prends deux potes. Deux blancs. Okay. OK, donc ça veut dire que j'ai 6 dés à rebrasser. Là, tu rebrasses tout. C'est ça. Enfin, j'avais 6 symboles, right? Là, tu tournes ça. Oh! Ping! Ah! Attends, ici. Ah! Ça va crier fort du côté de Toronto, la Toronto. Ok. Donc, je peux te soutirer la rondelle en diagonale cette fois-ci. Ok. Alors, c'est une nouvelle mise en jeu. Et là, comme on n'a pas changé de côté, le temps continue. Ok, parfait. Pouf, c'est presque trop facile. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Un but. Je peux-tu aller juste te frapper? tu peux pas bouger quand t'as... Ok, je vais bouger mon allié. Un, deux. Lui, il fait une passe. Il fait une passe. Il peut se faire une passe manquée. Un icing, un drop de puck. Ouais. Fait que oui, tu peux viser là. Oui. Je vise là. Tu peux. Avec 2 dés. Avec 2 dés plus 2. Plus 2 autres dés? Oui, plus 2 autres dés. Ok. Là, ça ferait quoi à ce moment-là si j'ai ça? Elle arrive direct là. Parce qu'il n'y a pas de puck qui ouais. continue. Okay. Mais tu m'as fait un ton tour, pardon. À cause des X? Oui. Ah non, je rebasse. Ok, je rebrasse. Stratégie qui n'a pas porté fruit. Elle n'a pas marché. Fait que là, elle arrête exactement là. Ouais. Mais mon tour est fini. Ouais, puis moi, j'ai un déplacement. J'ai des flèches. Je vais aller comme ça. Ah. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, l'équipe. C'est pas grave, l'équipe. Ok. Je vais commencer par me déplacer de 1 pour prendre la possession ici. Oh, réaction. Réaction vive du défenseur de Toronto. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, t'as une réaction? Oui. Ok. Toi, t'as des réactions. Je suis peut-être pas gros, mais je suis vite. T'es bloqué. Ouais, je sais. Je sais ça. Ok. Je vais déplacer mon centre. Tu peux une réaction? Ouais. Il va déplacer son centre. On n'a pas bougé ça. Hein? Ah, tu peux faire un free reroll, mais ouais. Si tu le manques, t'as une pénalité. Exact. Ah, ça, j'aime pas ça, moi. J'ai pas été chanceux, moi, tantôt. Ok, c'est pas ta meilleure carte, ça. Ok, 3, je vais... Hey boy. Faire une passe au centre. Je vais passer la puck à mon ailier. Hey, belle passe. Direct sa palette. Il est juste à côté. T'sais. Et là, je vais partir en trompe. 1, 2, 3. T'as une réaction. Tu peux pas le dire, grave. Pas grave, je regarde pareil. Ouais, c'est ça. Il me fait face. Ok. Oh, attends une minute. C'est pas lui, je vais bouger. Il était ici? Oui.
Alors ça va venir au même si je bouge. Ok. Tu vois que mon équipe est alerte là. Oui, pas mal. Je vais bouger mon montelier. Tu as décidé ça. J'aurais pu prendre mon feu là. Est-ce que tu prends ton Fury Roll? Ton Free... Mais non, faut que tu prennes lui en premier. Mais pas forcément. Moins il y a des, moins j'ai de la chance de... Ouais, mais t'es pas chanceux. Ouais, je sais. Bravo! Un, deux. Pénalité! Il tient pas sur ses papiers. Hey, t'as bien fait ton move. Ok. Il va avancer. Ça va me prendre un dé de plus. Nice. Ok. Un. Deux. Oh. Restez là. Je vais avancer mon hôtelier. Ça va être à plus 2D. Plus 2D. Et je fais un tir du poignet top corner. Plus 3D. Pourquoi toi? Parce que t'es rendu à plus 3D à mettre la clé. Ah oui, là. Ouais. Un free reroll. Finition. Oh! Le but! On n'a pas dit nos derniers, pas notre dernier mot. Il s'est rien passé au cours de la première, première période. Et là, c'est un avalanche de buts. 2 à 1. Ouch! Les joueurs étaient épuisés. Incroyable. Ouf! Moi, je suis servi, j'ai eu peur. C'était une punition, ça ne fonctionnait pas. Est-ce qu'on bouge le temps? Ça uniquement si c'est moi qui gagne la rondelle. 3. T'as vraiment une meilleure unité de centre que Toronto. Alors, le Canadien Montréal reprend possession de la rondelle, prêt pour une deuxième attaque, même une troisième attaque en cette mi-partie. Deuxième période, chaudement disputée au centre Bell de Montréal. Je joue mon ailier. Il va avancer. 1, 2. Je bouge mon ailier gauche aussi, qui va également avancer. C'est vraiment stratégique, là. 1, 2. Ah, ouais. OK. Mon ailier ici va avancer. D'ici. Attends un petit peu. J'ai une réaction. Je viens de couper ma passe. Ouais. Un autre dé de plus. Mon autre allié va avancer. Ah oh ben. Là tu es dans hors-jeu alors. Oh merde. Ça de même. Ok. T'avais une réaction. Attends, t'étais là? Oui. Ok, ben. Ah oh, ben oui. T'as bien raison. Un autre dé. t'avais une réaction. J'avais une réaction. Ouais. Ok. Je vais aller. Fatiguant les réactions. Un peu fatiguant. Même un peu gossant, je te dirais. Oublie pas, t'as plus un speed en plus. Ouais, mais je t'ai hors jeu. Drop de puck. Ça va pas être de faire un lob. Ouais. Ok, je vais bouger mon défenseur. Un dé. Je fais une passe. Oh. Passe manquée. Attends un petit peu. Elle va dépasser de 2, c'est ça? Ça va là. Donc vas-y, fais la dépasser de 2.
Ok. Mon allié va foncer sur la rondelle libre. Ah! Tourne-moi ça. Ah ouais, patine! Mon allié va foncer au but. Tu te dis, il n'y a pas le droit. Mais je suis déterminé. J'ai pas le droit de reroll, pardon. Ok, 1, 2, 3. Mon allié ici va avancer. Reroll. Avec l'activation, je peux me tasser vers la droite. Ouais, ben moi je peux faire deux cours de deux tout de suite. Ça. Fait qu'il va avancer. Non, un, deux. Tiens, je vais arrêter là. Arrêter là? C'est assez loin. Gardien, peux-tu faire une passe? Ouais. Mais tu peux pas sortir de ta zone. Je peux. Je sais pas. Pourquoi pas? Y'a-tu un speed? Y'a un speed 1. Can't hit or be hit, can't move. Je peux pas bouger en diagonale. Ok. Tu sais quoi? J'avance. T'avances quoi? Mon gardien. L'action continue. Alors, Stéphane. Donc, je bouge mon défenseur. C'est manqué. On doit utiliser un peu de fatigue. On pousse les limites. On pousse les limites. 1, 2, 3. 3? Ah, il y a plus 1. J'ai plus 1. Ben oui. Ah, pas une passe. Pas plus 2. Pas plus 2D. Oh, ça sent la... Oh. Seulement les dés, ouais, c'est ça. Exact. Ah, come on. Ah, come on. Un seul dé. Oh, c'est réussi. C'est réussi. Là, le gardien qui... on dirait Patrick Roy. Oui. Et là, je fais une passe. Oui. Je suis rendu à 4D. On est à 4D. Une passe au défenseur. Tu as eu une malus de 2D. Oui. Puis tu viens de brasser ça. Fait que tu devrais en avoir un plus. Facilement. On a une réaction, par contre, ici, qui va s'installer. Réaction qui sera de... Je bouge mon allié à 6D. Ah, oh, je t'ai épuisé. Ouais. De partout. De partout. Ben, tu bouges pareil. 1, 2, 3. Tu peux faire plus ça. Non. Non. Ok, moi je vais reculer d'un parce qu'on avait une. Ah, assez de valeur, hein? Ouais, ouais. Toc, toc. Ouais, ben je venais de me reculer. Ouais, mais ça faisait rien. Ah, oui. On a coupé ta ligne. Ok, donc on passe à 8 minutes. C'est pas sûr que je l'ai bougé à toutes les fois, mais là, je dois aller frapper le gaillard qui est là. Je peux l'activer en plus deux fois dans un tour. Donc, je vais bouger mon défenseur. une fatigue. T'en restes-tu? Ouais, oui, oui. Ok, 1, 2. Et là, pour deuxième action, je vais frapper. Oh! Oh! Pouf! Attends, t'as un X, là, punition? Punition. J'ai fait tomber. Ok. J'ai même perdu une dent. Car! Donc, punition. Puis t'as plus de reroll. T'as plus de reroll. Et là, on met ça ici. Toc. Ok. Fait que je reprends la rondelle là. Tu reprends la rondelle. Mais où est-ce que j'étais frappé? J'imagine que je recule d'un. Ouais. Ok, je bouge mon défenseur pour récupérer la rondelle. Je bouge mon allié sur le bord de la bande. Et ça va s'arrêter là. J'ai une réaction. Passe, passe, passe! Ça va être ça ici.
Donc, on est à 6 minutes. Il me reste un petit 2 minutes à écouler ma punition. Je joue à 4 joueurs. Donc, j'ai. Ça, c'était sur un mouvement de réaction. Maintenant, je vais le bouger vers. Je vais aller le frapper. Non, je peux pas. Ouais, je vais au moins avancer dessus. Ah merde. Il va bouger le con. Ok, tiens. Merci. Oh, je suis encore là, moi. T'es encore là, toi. Hey, mais quel jeu! Ben, normalement, quand la POC sort de la zone, tu te mets au centre de ton net. Je vais bouger lui. Oh! Patinait sur une lame. Ah, bien joué. Non. Mais j'ai pas le choix. Je vais faire un poke. Ouch! Encore une punition! Une punition! Right now! Bravo! Mais Toronto a toujours été un peu indiscipliné. Ah, la bonne nouvelle, c'est que là, ça bouge. Oui. Puis que lui va sortir. Mais l'arbitre se place ici. Donc, je finis ma période avec un joueur en moins. Et là, moi, je vais sortir. Il faut t'attendre que je parte. T'es bloqué. Je vais aller te faire sortir en face de moi. Ok, pas de trouble. Ça me dérange pas trop. Ok. Mon allié? Ah non, je peux pas faire un hors-jeu. Non. Ok. Il lance, puis je veux que la rondelle arrête là. Faut que tu vises la ligne bleue. Faut que je vise la ligne bleue? Oui. Là. Oui. Là, faut que tu sois bleu, ça peut juste être là. Parce que c'est une diagonale. Ok, ok. Pas de trouble. Tu vises là? Non. Je bouge mon centre. Ok. Ok. Passe au centre. Bon, là, on parle stratégie, pas drop de puck. Pas encore un top corner, c'est presque. Qui vient de faire la passe. C'est un peu loin, ouais, top corner. Ok, j'avance mon centre. Une réaction. 1, 2, 3. Ok, j'ai une réaction. Je bouge mon allié. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Je peux mettre dans le coin du net. Je laisse le net comme ça. Oh, j'ai une réaction. Attends, j'ai une réaction. Tchou. Ah non! Il m'a coupé la passe. J'avance ici. Ici, je peux compter soit par là ou compter là. Ouais. Oh! Ah non! Ah non! T'avances pareil. Ok, j'arrête ça. J'ai avancé à deux, il reste deux minutes. C'est stressant. Fait que je bouge ici. Et tout ce que j'ai. Ok, je bouge là. Et je peux faire un make a free reroll if you fail, it's a penalty. C'est bon, mais t'as pas dit c'était quoi. Fait que. Il y a rien que t'as fait. Non, j'ai bougé. J'étais là, j'ai bougé. Ah, oh, ok. T'as bougé avant de brasser. Oui. Mais t'avais un X. Ah, t'as fait un reroll. Okay, même le X, tu bouges pareil. Ok, oui, c'est vrai. Je vais avancer mon centre. Attends, j'ai une réaction. Mais je pense que je suis bloqué. Hein, ah oui, c'est là, tu peux pas bouger avec la rondelle. T'es checké, c'est vrai. Ok. Merde, j'ai mal joué parce que j'aurais dû faire un hit plutôt qu'un. Bon, je courais pas après ma chance. Je fais un poke. Oh! On est à Montréal. Ok, c'est vrai. After a successive poke, oh, non! Je fais une passe gratuite.
T'es hors jeu. Non, je peux rentrer encore. Ok. Ok, donc je vais bouger lui. Je bouge ou. Ouais, j'ai pas le choix. Une flèche. Ah, il faut que tu résistes. Okay, je vais bouger mon allié. Oups. Un croisé. Ouais. Mais tu peux pas. Pourquoi? Ah non, si je peux pas. C'est ton jeu. Ça finit la deuxième période. C'est tout. Non, mais c'est parce que si je prends une punition, est-ce que je commence la prochaine période avec une punition? C'est sûr que oui. Je vais bouger de même, puis ça va faire... Ok. 2-1. Après deux périodes de jeu, le Canadien est toujours en avance. Le match se corse. Et les estrades sont en feu. Tu as rapporté pratiquement tous les mises en jeu. Là, j'ai crié fort dans la chambre. Et ça a porté fruit. Es-tu prête? Ok, oui. Ah oui, ok. La passe. On voit qu'on tente de prendre la même stratégie que le Canadien. Non, non, tu bouges en diagonale comme un fou. J'avance. Only reroll X when you reroll a shot. Ah, a shot. A shot. Ah, shot. C'est sniper. Ok. Écoute, la partie est jeune. La partie est jeune, t'es en troisième période, tu perds 2-1. Ouais. Ah, oh, t'as fini? Non, j'ai. Attends, ok, tu fais un reroll. Fais un autre reroll. Ouais, ouais. Pourquoi t'as avancé? J'avance pareil. Un autre reroll. Pas le choix. Ouais. Attends, t'en prends juste deux. Pas juste deux, t'avais un blanc. Ah, ok, j'ai peut-être fait ça une couple de fois. On va juste checker. Ok. Ok. Parfait. C'était réussi. Je fais un changement de ligne. Réussi. Je fais un changement de ligne. Retourne ça de l'autre bord. Ok, ouais. Ok, à moi. Ok. 18 minutes. Ok. Je bouge mon allié. Tu peux pas faire pas. 1, 2, 3. T'as une réaction. Ah, j'ai une réaction? Ouais. Ah, ouais. Je bouge mon centre. Après que je bouge un X, je peux bouger mon défenseur. Ah non, c'est vrai, ça compte pas parce que je reroll. Bon. 1 et 2. Mon défense. Je suis rendu à 3D. Okay. Ok. Fait que je bouge mon allié ici. Les Canadiens commencent à avoir un peu la langue à terre. On voit qu'ils ont tout donné en deuxième période. Et ça se complique sur la troisième. Ah, shit. Ok, attends, je pourrais bouger, mais là, parce que je suis check, je peux pas, mais je peux bouger quelque chose d'autre, pardon. C'est ce que je vais faire. Je vais faire ça. Ah, j'ai pas le droit de diagonale. Ok, je bouge mon défenseur. Tu peux le bouger deux fois, c'est ça la bonne nouvelle? Parce que t'as un X. Ok, lui il peut pas bouger. Non. Ok. Fait que, ok. Fait que je le bouge là. Puis mon X me permet de bouger un défense. Je le mets un défenseur. Que je bouge là. Ouais, c'est pas gentil ça. Ok. On voit ici qu'on joue la trappe. Genre que la mère sort de son corps. Okay. C'est ça que tu m'as joué en première période. Ouais, je vais bouger mon centre. Je
suis bien mal placé pour être checké. Hein? Je vais bouger mon hôtelier. Aïe, aïe, aïe. Ça me tombe pas bien. Sérieux? Drop la poque dans le fond. Je peux pas. Je peux dropper la poque là. Non, je vais dropper la poque ici. Ok. J'ai le droit. Puis là, je prends plus 2D. Ok. Fait que là, la poque est droppée. Attends, non, ben je vais faire un reroll. Tadoum. Ah non, je fais un reroll? Non, je fais pas de reroll. Phil, la poque est droppée, puis elle s'en va là, puis elle se déplace de 1. Ok. Puis là, c'est à moi, c'est ça? Ouais. Ok. Il faut que je récupère la rondelle. Je bouge mon allié. Un, deux. Elle est vraiment... Du hockey de fond, le drop de puck dans la zone. Je suis en pleine attaque à 5. C'est toi qui as droppé. Je sais. Je t'ai pris. C'est ta stratégie défensive. Je bouge mon allié ici. Mon allié va aller récupérer la rondelle. Ok, j'ai un mouvement. Mon allié avance. Fuck. Ouf. Shit. Ok, je patine. Patine sa bottine. 1, 2, 3. J'ai une réaction. Attends. Ok. Mais ok, c'est lequel qui joue en premier? Pourquoi? Parce que je peux bouger mon défenseur. Ah. Ben, je pense que ça, c'est... Ouais. Ben, tu vois, c'est à ton tour. Ça change pas grand-chose. Tu bouges d'un. Ben oui. Ah, juste d'un? Ah. Non, je bouge le défenseur. Je bouge de deux. OK. C'est important de pas l'oublier. Quand la game achève. Poke! Ah, attends un petit peu. Poke ou un petit coup d'épaule? Non, je suis mieux avec une poke parce qu'après ça, je peux bouger. Oh, réaction. Oh, attends, je suis même pas... Ok, mais parfait. Là, c'est, j'ai fait juste un poke, hein? Ok, mais je patine. 1, 2, 3. J'avais oublié que je pouvais patiner. T'as une réaction. Ces réactions, c'est quoi? C'est juste un? Je déplace de 1, réaction? Ouais. Je vais bouger mon allié. Je suis rendu à... Faites un poke. Puis un déplacement, c'est tout. Ouf. Je passe. Reroll. OK. Je bouge. Un. Deux, trois, parce que je peux bouger, je suis brisk. Ouais, je vais avancer mon centre. Je vais brasser. Ok. Là, je peux... Il n'y a aucune réaction là-dedans? Non. Mais non.
je peux tirer, j'ai besoin d'un dé de plus. Ok, je vais brasser mon dé avant. Ok, fait que j'ai 3 dés à brasser ici. Poteau! Avec deux rondelles en plus. Ting! Un. Deux. On va faire un poke. 10 minutes. On peut pas faire de poke en diagonale, hein? Non. C'est, t'as une carte, toi. C'est mon carte. Ok, je vais avancer de 1. J'avance mon centre. Ah, oh, come on. Pas vrai. Ça sent un petit déplacement, sa bottine. Aïe, 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 aïe. Un, deux. C'est tout. C'est à moi? Ouais. J'ai un dé. J'ai un dé. Ouais, t'as plus de reroll. J'ai plus de reroll. Oui, un X. L'abus! C'est jamais facile entre Montréal et le Canadien. Et Toronto. Ah oui, excuse, le Montréal et le Canadien, c'est pas mal pareil. Quoique je suis en train de me battre moi-même, là. Tu sais que tu peux enlever ton gardien de but, Stéphane, si tu veux. Ben non, pas quand je vais 2-1. Allez, on y va. T'as-tu baissé le temps? Oui. Ben là, ça va dépendre du jeu. 1-2-3. 1-2-3. On brasse. Même sur les mises en jeu. 1-2-3. 1-2-3. 2. Ah, il était dessus. Mise au jeu. Ça y est. On change, donc... on change de but. OK. 6 minutes. Aïe, 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 aïe. OK. Je bouge mon allié. 1, 2. Je bouge... Non. Pas celui-là. Je bouge lui. 1. Je bouge mon allié. Nouvelle stratégie. Je passe à cet allié-là. J'ai pas regardé, y'a-tu des flèches? Non. C'est cassant, ça. Ah, oh, comment? Il faut que je rebasse les 3 dés en plus. Ça sent le changement de ligne. J'ai réussi une passe. Oui. C'est une punition là-dessus. Je réclame une punition. Ok, il a fait sa passe. Tu continues? Comment? Tu continues? Ok, j'arrête ça là. Je dirais que je fais un changement de ligne. Sage décision. Ah, ouais. La frustration s'est installée. Est-ce que je fais un poke? Là, t'as baissé le temps? Oui. Je ne sais pas. Ok. Ok, je vais... Je m'en allais faire un hit là, mais je prenais pas de chance pour prendre une punition. T'as un dé. Ouais, je prends un X. Oh oui. Puis t'as le punition? Ouais, t'es capable. Non, je vais faire un poke. Voilà. Ok, attends, j'ai une réaction. Ouais, une réaction. Ok. Je vais avancer mon allié droit. Ok, je vais avancer mon allié droit. Faire une passe. Je vais faire un reroll. Un deuxième reroll. Troisième reroll. La fatigue s'est installée. Ah shit. Je passe. La puck continue ici. On voit ici que la glace est en mauvais état en troisième période. La Zamboni. Okay. Je bouge mon défenseur. Ouais. 1, 2.
Je bouge mon ailier gauche. Ouf, merde. 1, 2. Je bouge mon défenseur. Là, tu peux pas passer tout de suite. Non, je sais. Je bouge mon centre. Oh. Au dernier reroll. Ah non. Je bouge mon centre. Poke. Je suis plus gros que toi, tu devrais pas être capable. Pff, c'est plus agile. T'as-tu reculé le temps? Dernière minute. On s'en va vers un match nul. Un bon vieux match nul. Ok, j'avance. Ok, ouais, j'avance le centre ici. Et voilà. J'ai pas de. On n'a pas de reroll? Non. Et voilà. Match nul. Tout ça pour un match nul. 2-2. Incroyable. Incroyable. Ben écoute, c'est assez bon comme jeu. Moi, je trouve ça très représentatif de ce qui est une partie de hockey. Oui, oui. Tous okay. Les aspects y sont. Même, je me suis ramassé avec deux joueurs au cachot. Ça, c'était bon. Incroyable. Indiscipliné. Ouais, c'était à Toronto. Exact. Okay. Non, très bien. La gestion de la fatigue est difficile. Je pense qu'on se reposait pas assez, moi. Non, c'est ça. Je pense qu'on voulait trop aller au but. Ça, c'est la partie avancée avec les changements de ligne. C'est super bien. Puis il y en a énormément. Il y a vraiment toutes sortes de tactiques. Puis il y a un mode de repêchage au début. On peut repêcher. On peut faire même un mode tournoi. OK. On peut même aller visiter plusieurs amphithéâtres. Et ils sont tous là. Ils ont toutes des particularités. On y a passé juste une fois. OK. Ben oui, en plus. Alors, j'espère que vous avez été nombreux à assister à la partie. Que vos billets de saison ont valu la peine. Et vous reviendrez pour un autre match d'exhibition de Trickshot à la Société des Jeux. Stéphane, toujours un plaisir. Oui, oui, exactement. Même si c'est une nulle. Écoute, on n'aura pas des parties de premier 20h pour l'année 2022. Pas encore, il va falloir attendre. Et ça sera peut-être avec un autre gros jeu. Tu nous avais dit que t'avais de quoi de gros à nous proposer. Ça en vient. Ouais. Ouais. Tu veux qu'on dise le titre pour notre prochain affrontement? On peut. Non, on garde la surprise. On garde la surprise. On garde la surprise. On garde la surprise. Mais ça s'en vient très, très, très prochainement. Oui. Alors, toujours un plaisir. Mais on ne serre pas la main à un adversaire, mais puisque c'est une nulle. Ben oui, c'est une nulle. Une nulle. Une game nulle. On se croirait une game de soccer. Ah, bon. Voilà. Ben, merci tout le monde. Bonne année. Puis on se revoit assez régulièrement cette année parce que j'ai fait mes challenges sur BGG. On peut faire des challenges pour l'année. Oui, OK. Et parmi mes challenges, c'est de jouer plus souvent avec toi. OK, parfait, excellent. Excellent. Bon challenge. Salut tout le monde. Même. Salut. Bye. À la prochaine.